Elle sait comment me parler. Expérience 1600. Oh. 2475 sur 2500 points d'expérience. Vous avez reçu un noyau. Les noyaux octroient divers bonus de gameplay. À vous de choisir vos combinaisons. Vous pouvez modifier vos noyaux depuis l'écran groupe. Oh. Portée de déplacement 2. Ajoute une case lors d'un déplacement, 2 lors d'un sprint. Oh, et genre sur chaque personne. Cool. Welcome back to Original Berthas. Better than the fake shitty Berthas. Cocktail au napalm, grenade acide, grenade à main. Anyone leaving town needs a weapon to defend themselves. That's miasma 101. Oh. It's hella dangerous out there. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de diminution des dégâts sur, enfin de précision sur les fusils à pompe. Parce qu'on peut tirer qu'à 5 mètres. You want to shoot more? Shoot farther? All that good stuff? Upgrade your weapon. Oh, wow. Amélioration de charge. Oh, augmente la taille du chargeur de 1. Ça serait super bien. C'est cher. Tu votes pour prendre le tout? Tu l'avais pas, Acta? The Fallout New Vegas? Augmente les dégâts d'armes de 10. Octroie 5 kW d'énergie par tir. Soit. Keep safe out there. Keep your eyes on out there. That core working? Like a dream. Let's get back to the mayor. Qu'en est-il de ma santé? 42 et 52. Ouais, c'est bon, ça passe. Il est dans ta to-do list. Il risque de te prendre un peu plus de 5 heures à faire. It's working, Mayor. Not a second too soon. Gator Zone's crawling with monsters. Why the hell were you in Gator Zone? This brainless pot dragon? Brains is all you got, Jarhead. Elvis, I hit the jackpot. Found an encrypted file in your mama's data drive. It's all about increasing your glove's power. Hell yeah. What's it say? Well, that's the problem. I can't understand a goddamn lick of it. Read this. To heal the miasma and pay our debts, absorb the anger of a wild vortex. In return, the miasma gives an editor a reward. Power for your glove, and balance restored. Oh, c'est où on doit aller. Kind of riddle. You know what she means? Heal the miasma. Editor, I don't get it. Me neither. What's a vortex? Damn it. Trying to figure out my asthma's like punching a tornado. Tornado? Hold on. Near the wall, we yep. saw some angry miasma. Yeah, c'est like a vortex. The glove was pulling me to it like it wanted to grab it. Maybe it did. You should go investigate. Could be the key to everything, but the frogs are out there too. Could be dangerous. Want to see danger? You looking at them, old man? Elvis, clock's ticking. Let's go. Yeah, cool. We got this, Mayor. Godspeed. I'll keep digging through these files for more clues. Oh, ben nous on peut y aller.
Salut Maz. Ah si, je suis juste parti en vacances, c'est tout. Tu vas bien? Ouais, ça va. On reprend tranquillement. Enfin, tranquillement. Allez, retour dans la zone tuto. Et les Maccabées ont disparu, évidemment. Ce qui reste, c'est une poupée. Yeah! C'était couru d'avance, ça, les gars. Bon, est-ce qu'il y a des loots supplémentaires? La météo a changé. Ah bah, il manquait les streams, tu vois. C'est gentil. Looking twice as nasty as the last ones. No turning back. Time to kick some ass. You read my mind. Just have to sneak up behind them. Vaincre les adorateurs. Je suppose qu'on est un peu trop loin pour engager d'ici. Chaman. Alors, au combat, ils soutiennent leur frère à l'air de mucus de guérison. Soignent les membres de la tribu blessés pendant le combat. Pourquoi et comment il veut se faire un bisou aux fesses? Il fait ce qu'il veut. Mais c'est plus facile d'embrasser les fesses des autres. Pas assez terrible hein, comme comme zone. Ouais, on va devoir se mettre sur le pont. Ok, ça va barder. Éclaireur, c'est pas ceux qu'on avait déjà vus? Ah non, non, ce coup-ci c'est les vrais. Éclaireur constitue globalement les soldats de base de cette faction. Bien que leur arc n'inflige que peu de dégâts en eux-mêmes, les éclaireurs sont adeptes de la tactique militaire du hit and run. Super. Oh, 110 points de vie. Faudrait que je demande davantage de fond aux mers. Genre sympa, qu'est-ce que t'en penses pour le peu que tu y as joué? J'adore. Pour le peu que j'y ai joué, je trouve ça très très cool. Tout ce que j'espère, c'est que on va retrouver un tactical RPG qui m'attire vraiment.
pour l'instant, l'aspect tactique a l'air solide, les visuels sont superbes. Au niveau custom, ça pourrait être sympa. Donc ouais, non, c'est, pour l'instant, c'est tout bon pour moi. Le seul point qui va m'embêter, et ça je le sais déjà, c'est que apparemment tu peux avoir 3 membres dans ton équipe maximum. Ce qui est toujours trop peu pour moi. Grenade à main. Pas moyen de toucher les trois. Ok. Faut aller chercher les ricochets, mais c'est trop bien. 65, hop. Et l'écriture a l'air correcte. T'affrontes quoi d'ailleurs, des grenouilles? ?7% de chance, 50% de chance. C'est genre des grosses grenouilles qui sortent du miasme. Le miasme, c'est cette espèce de poussière que tu vois. Ok, donc leur soin, c'est uniquement au corps à corps. Intéressant. Ow. Oh! 50% de chance partir parce qu'il était à l'abri. Mais tu vois, là, c'est 94 si je me mets là. C'est assez. Ça va, c'est raisonnable. Alors, le problème qu'on a avec cette arme. C'est qu'il n'y a qu'une seule balle dans le chargeur. ?65 critiques. Oh. 60 critiques. Ouais, c'est plutôt cool. Raté. Ah mince, c'est vrai que le tir de couverture c'est avec mon autre copain. Bon, c'est pas grave. Toi, copain, qu'est-ce que tu dis? On va tuer l'éclaireur. Et moi, on va essayer de tuer l'éclaireur. Ils sont pas super futut. C'est cohérent avec l'explication qu'on nous donne en jeu. Apparemment, ça vient d'apparaître comme bestiole. Et joue en normal. Si ça peut aider. Oh, t'es pas mort.
J'espérais qu'il soit mort. Tant pis, on va se faire le chaman. Ou pas. Personne ne te voudra si tu vas en retraite, tu sais. Donne 50% ici. Je vais prendre un 100%. Les mecs qui ont programmé le robot sont pas super doués aussi. Eh, hey, c'est de ma mère dont tu parles. À la base, c'est un robot de minage. Notre mère nous a abandonné et a laissé le robot derrière. Et il va bien. Si un héros est blessé au combat, il ne peut plus agir pour le reste de l'affrontement à moins d'être réanimé. Vous pouvez lancer un Medipod. Ah, c'est ok. Il est en pleine forme. Voilà, level up. Normalement avec le level up on a full life je crois. Bon. Ouais, boum, c'était prévu. Ils ont une explication pour tous les trucs qui sont pas très bons, sont malins ces studios. Ils ont pensé à leurs produits. Comment je monte récupérer mon loot moi maintenant? Un autre medikit, ça tombe bien, j'en ai pas dépensé pour l'instant. Alors, dépensons nos points. J'ai oublié où c'était. Set de compétences. Je peux pas encore être un Jedi? Ah, ça commence peut-être par ça. Permet d'utiliser davantage de pouvoir miasmatique au combat. Ouais, alors. Allez, partons là-dessus. Et prenons la santé supplémentaire quand même. Voilà.
Yeah, yeah, I'm all right. I'm all right. Facile. C'est ta maman, non? You see that? The glove sucked in the particles. Oh, it's buzzing like a beehive. Running a test. Oh, that's crazy. Power's just gone way up. That means you got some new tricks up your sleeve. Hell yeah. Not enough to break through the wall, but let's go back and tell the. Oh oh. J'aime bien leur look. Dommage, il y avait un explosif là. Et là. Bonjour. Ah, il y en a un autre là. Super. Oh, more of these assholes. I'll give them a taste of this new vortex power. Utilisez des pouvoirs miasmatiques en combat pour faire pencher la balance en votre faveur. Les pouvoirs miasmatiques coûtent de l'énergie. Gagner de l'énergie en tuant un ennemi. Vous utilisez des cellules d'énergie pour gagner de l'énergie. Ok. Vous pouvez modifier les pouvoirs des personnages possédant un gant depuis l'écran. C. J'aime bien le design des grenouilles. Moi aussi. On n'affronte pas assez d'hommes grenouilles en fantasy ou SF. C'est aussi, ouais. Soulever une cible. C'est sympa ça. D'accord, j'ai pas le choix en fait. Bon bah va pour celui-là. Oh. Genre si je fais ça. Ce serait mieux sans le hiccup, mais c'est cool. Les deux sont morts. Les deux sont morts. Ok, parfait. Et il me reste un point. Bien fait de level up juste avant. Ça manque de splaf. On peut déjà faire une autre attaque. Si je te lance sur un truc random, est-ce que tu prends des dégâts? Ok. Bon à savoir. T'as lancé ton robot? Non, mais du coup, ça veut dire que potentiellement, je peux lancer mon robot, effectivement. Pas mal, 65. Oui.
Donc j'avais pas réalisé que j'ai utilisé ma compétence. Je crois que je vais créer un syndicat de protection des robots. Promis, il aura des amortisseurs à l'arrivée. Ah, 10 points de vie. %50 ou 28%. J'aurais dû toucher celui-là. Quoique ça aurait pas changé grand chose dans les faits. Ok, lui a tapé un sprint. Et lui a touché. Ils font bien mal, hein. Et le B1 qui admirait le paysage le mois dernier, il avait des amortisseurs. Le B1, je vois pas de quel B1 tu parles. Ce sera ma ligne de défense. Tellement cool ça. Faut qu'on achète l'amélioration pour avoir deux tirs avec ça. J'ai pas l'impression qu'il y ait du loot supplémentaire. Ok. On peut y aller. Et j'aime bien comment ils l'ont balancé aussi. Pour chaque rebond, tu perds 10% de chance de toucher, mais tu gagnes 10% de chance de coup critique. Ok. Oh. J'irai me faire un café dans 20 minutes. We're back in business. If we can find some more vortexes, your glove gets enough power to blast a hole through that miasma wall. And we find Mama.
After all these years, let's talk to the mayor. On a 670, le snipe c'est pas 1000 balles. If we're getting out of here, we gotta get out now. C'était combien une grenade déjà? Parce que c'est bien les patates chaudes, mais ça s'épuise vite. Grenade à main 100. Ça c'est super bien. Ouais, c'est pas exactement dans nos moyens. Elvis, you get something from that vortex? My glove's got this new power. Who rips through frogs like a knife through jelly? Well, slap my jar. Fantastic work, Elvis. But can it get you through the wall? He bumped up my total power, but we need more vortexes fast. Ask and ye shall get. I decoded another one of your mama's files. Read here. To break through a wall most vile, heal the miasma once defiled. Each vortex offers a reward most keen. Your glove is ready when blue lights turn orange. Huh. Guess nothing rhymes with orange. So when my glove's lights change color, we can bust through the wall and find her. But where are the vortexes? Sadly, she doesn't say. But I bet anything a certain family knows. They know all. The first family. Bingo! Give the boy a star! I heard reports of a first family airship crashed up north in Happy Hills. If you can reach the ship, grab its data drive, then bring it back here. Hold on, Happy Hills is off limits. Those are your words. Hear me now and hear me clear. The miasma is more than nasty weather. It's an evil energy that has brought America to its knees. Dividing states once united, poisoning communities, pissing on our values. Okay, Mayor, okay. We don't have time to wander. We'll get the data drive. Proud of you, boy. Godspeed. Ouais, non mais il a l'air d'avoir toute sa tête. Eh, niveau 4. Tu peux pas me payer aussi? Happy Hills is on the far side of Widow's Mine. To get to Widow's Mine, we gotta get past the Skywell. Come on. This is way above our pay grade. We need backup. We need help. You got a magic glove and a kick-ass robot. You are the help. Puisqu'on a besoin d'aide, elle est où cette... I'm not crazy. Monsters. That's just a bunch of hooey. Who's seen one of these things anyway? I saw one. Retrouver la mère du robot, c'est ma maman à moi. Mais oui, c'est ça, c'est retrouver ma mère de l'autre côté d'un mur de miasme qu'on n'arrive pas à dépasser pour le moment. I'm a miner, Mary, not a dang old headhunter. Waylon, I know it's difficult, but try to be a man. If you think I'm gonna fight some monster, you're higher than a Georgia pine. En gros, notre mère a disparu un bon matin en disant. Je te file ce gant et puis quand tu seras grand, viens me retrouver de l'autre côté. En attendant, je te confie ce vieux robot. C'est ton frère maintenant. Voilà. Donc je pense que notre mère nous aimait pas beaucoup. Oh, et ça c'est chez moi aussi. I recommend getting stupendously inebriated. Oh,
C'était bon ou on n'est pas allé ici? T'as pensé à refaire l'isolation et les murs et la porte? Caleb keeps some cool stuff back here. Too bad it's locked. C'est du boulot. Keep on living, amigos. That glove of yours, can it stop these monsters? On peut les faire voler en tout cas. J'ai l'impression qu'elle a disparu. C'était quoi, c'est Jade? Ça ou je me suis perdu, ce qui est possible aussi. Frogs? Are you sure? I'm sure. Visual confirmation coming from Gator Zone, Sky Whale, even White Castle. The mayor knows? He's been briefed. On n'est pas déjà ça. It was an accident. Oh. I didn't mean to blast Bertha's car. Yeah, yeah, your glove misfired, I know. Oh wow. Mais on l'avait la carte. Cette carte là, on l'avait tout à l'heure. Il y a encore. A priori, il y a rien de toute façon. Allez, la suite. Je suppose qu'on aura l'occasion de revenir de toute façon. Quitter la zone, ouais. Widow's Mines is this way, past the Skywell. Finding this ship and steel and its data drive gets us closer to our mother. We're going for it. Roger that. Quête disponible. Oh, cool. Donc les machins bleus, c'est nos quêtes secondaires. Il y a un truc qui tue les grenouilles, c'est pas normal. Hey Jade. Should you boys be out here alone? Look who's talking. What are you, 19? Something like that. I'm Jade, gun for hire. And I'm gonna allow you to hire me. This got nothing to do with you, darling. Go home. Does the robot talk the whole time, or do you have a say? Well, thanks for the offer, Jade. But we work best as a duo. Yeah. Not anymore. You're on the grabber's hit list. Grabbers? It's what the frogs are called. They've been tracking you since that little dust up in Gator Zone. And now, down this path in a perfect little kill box, they're fixing to ambush you. You know about these grabbers? Yeah, I know a lot. Somebody else will know. Pretty amazing. You two go in there, zero chance of survival. You go with me, whole different story. Doit être galère pour viser par. What do you want in return? It's who I want. The same who you've been trying to find your whole life, Elvis. Ba'amadi. Okay, who the hell are you? And why are you trying to work my brother? Diggs, hold on. Ba'amadi's our mother. You know her? I know the legends. I got a problem with the first family and I need her help. I'll leave it at that. You get me through that miasma wall to meet Ba'amadi, I'll keep you boys alive along the way. We got a deal? Can't argue with that. You're in. Yes! Camarade! Fusil à glace silencieux X1G. Reste silencieux pendant une embuscade.
Dégâts 70, munitions 1, évidemment. Portée 10. Ah, donc c'est... Ok. C'est peu. Peut-être pas un sniper. À cause de la lunette, à cause de l'absence de lunettes, ouais, sûrement. voilà, portée 12. Super. Ah, c'est pas grave. On arrivera à en faire quelque chose de correct, je m'inquiète pas trop là-dessus. Après, de la 50 au corps à corps, ça doit piquer aussi. Bon, ça a l'air de faire mal, hein, 70, mais... Fusil de précision condense rapidement les particules aériennes et la moisissure contenue dans l'énorme canon afin de créer des munitions durcies qui sont complètement silencieuses. Ouais, bien sûr. Au moins, c'est une arme niveau 2. Un peu farfelu. Tu veux dire plus que les grenouilles? guys, the wall's that way. First, we're escorting my little brother to Happy Hills. Got a problem with that? Comme orc, ça. Elle marche que parce que Jade croit qu'elle marche. Ça me va, ça me convient. Edison, they're the ones that screwed up the planet. Help! Can anyone heal me? Thank you, Suvader. She's alive, Diggs. We couldn't save her family, but we're saving her. Hold on. These grabbers are slime brutes. Extra tough. Now's not the time. Your call, Elvis. What do we do? Niveau recommandé 8, je suis niveau 4. Allez hop. Seigneur Pondeur, ok super. Oh là là, ils sont nombreux. Oh, ça va mal finir cette histoire. Chaman, mitrailleur. Ouais, non. Au revoir, hein. Bon décès. Elvis, those things are gonna fry your brain. Nah, he's the miasma whisperer. He makes sweet love to those things. Tell him, right. Okay, you two, zip it. Let my silent sniper rifle do its thing. Jade possède une arme à silencieux. Cela lui permet de tirer sans alerter les ennemis lorsqu'elle tire en état furtif. Vous devrez agir prudemment, les ennemis peuvent remarquer que leurs camarades meurent. Ah bon? Okay, time to show the boys how it's done.
Un coup critique inflige beaucoup plus de dégâts qu'un tir normal. Augmentez vos chances de coup critique en contournant vos ennemis ou en tirant depuis un point en hauteur. Le souilleur maintenant. C'est pas le plus chouette surnom que j'ai eu. Vous pouvez lancer des bouteilles en verre près d'un ennemi pour le distraire ou l'attirer dans une position vulnérable. Vous pouvez l'utiliser depuis votre sac à dos lorsque vous êtes en combat. Super cool. C'est les envahisseurs qui disent ça. Ouais, mais c'est régulier. Faut pas trop s'inquiéter, c'est normal. Aucun respect les grenouilles de nos jours. Enfin, bail que j'ai pas mangé de grenouilles, tiens. Ok, donc mes gars sont de retour. Je pense que je saisis pourquoi elle a que 13 de portée. Faudrait que tu goûtes ça un jour. Si un jour tu le goûtes, assure-toi que ce soit... Enfin, quitte à goûter une première fois, prends pas les premiers prix. C'est un peu comme le pigeon. Et si tu prends un truc qui est pas terrible, tu vas le regretter. Oh, un mitrailleur. Jack in, wake this guy up. Oh. Pear, pear, pear. Your duck call with a duck decoy spread. Use both to draw them in. State your purpose. Keep it quiet. You might scare the ducks away. State your purpose. I'm Duck Ranger 1000, the ultimate duck hunting assistant. Powered by Edison. When were you made? That duck said not today, buddy. Bad zero for four, Mr. Roundtree. Try again. Hey, il fonctionne bien. J'ai goûté ça une fois dans un resto parce que quelqu'un en avait commandé. Jamais vu autant de cuisses de grenouille dans une assiette à soupe et c'était bof. Ah, c'est particulier. Tu m'as donné faim de grenouille il y a 23 heures. Ce qui est mimé, c'est surtout la flemme. Plein d'efforts pour une petite quantité de nourriture. Ouais, c'est clairement pas le truc le plus opti, ouais. Mais bon, si un jour t'as envie de faire le snob, le mieux c'est d'inviter des amis britanniques et de manger ça devant. Voilà. Cornelius Zen, founder of Edison. Good man.
family man. He had a plan. And his plan was a success. Pollution was eradicated. Americans rejoiced. Edison, quite simply, saved the world. Ok, registre historique. C'est bon signe, les signaux électriques derrière. Ok, old buddy. What's the last thing you saw? Don't let them spook you, Mr. Roundtree. Here comes the duck. Raise your gun. Spray and pray. Lower your gun. That's no duck. That's a DX-10 Airbus. Step back. Step back. Crash your plane. Danger, Mr. Roundtree. Danger. Ok. Rest in peace, old timer. It's mine now. Trésor. Une boîte presque complète de véritables cigares au tabac. Alors, ouais, enfin, vu l'humidité du coin, je suis pas certain qu'ils soient encore bons. À ne pas confondre avec les petits boudins que l'on retrouve dans les foyers d'hébergement des chats, qui ne se fument pas aussi bien. Il est écrit « J'adore quand un plan se déroule sans accroc » sur le côté. Là-bas. On va éviter de se planquer derrière le tonneau explosif. Hein. Ça me semble pas terrible. Ça marche ? Si on pouvait assurer le 100%, j'aurais attaqué cet éclaireur. Mais sans garantie, ça me semble compliqué. Ok, alors, attaque. Lui va se retrouver. Je sais pas du tout s'il se retrouvera mêlé au combat de base. Donc on va bidouiller un petit peu. Oh, l'énergie remonte pas. Ok. Changeons ça. Consommable, cellule d'énergie. Pas sûr d'être fan de du manque de régène de des ressources. Ok, donc on peut pas va falloir que je change de plan. Je veux attirer le mitrailleur sur le tas d'explosifs. Ce qui apparemment s'avère être compliqué. Ok. Plan 2. Okay,
so the pilot's telling us we're making a controlled landing into some water, but I'm looking out the window and I'm seeing a lot of swamp, but not a lot of water. But we've been up here for 16 hours, so anything is better than this. Now they're telling us to get into crash positions. Turning this off. I love you, honey. Can't wait to see you and the kids and laugh about...